Bonjour Carole, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, donc je suis Carole Michelon, je suis entrepreneur depuis 2010. J'ai créé une première entreprise qui travaillait sur la mixité. J'ai d'ailleurs créé le forum de la mixité en 2010, donc sur 6 éditions. Et puis j'ai créé une autre entreprise qui s'appelle The Big Factory, qui travaille sur la transformation culturelle des entreprises, le Future of Work. Et puis dans le cadre d'une collaboration avec une de mes expertes sur la diversité, on a eu l'idée de créer un outil digital qui s'appelle Me and You Too, qui est à destination des collaborateurs dans l'entreprise. Et pourquoi être présente à Experientiel sur le Startup Corner des Digiteurs? Ça paraît assez évident puisque les Digiteurs accompagnent les entreprises justement sur tout leur déploiement lié au digital. Il y a un aspect agile, collaboratif et puis on est une start-up et cette journée-là est tout à fait dédiée à la carrière des femmes et à la mixité dans l'entreprise. Et alors comment l'application Me and You Too peut faire progresser la mixité dans les entreprises? Bon, on a conçu un outil qui est relativement simple, mais pour autant qui n'a jamais été créé jusqu'alors. C'est un outil d'auto-diagnostic. Donc vous auto-évaluez en tant que collaborateur dans l'entreprise sur un certain nombre de sujets. Le premier que nous avons lancé, c'est les pratiques concernant le sexisme. Donc vous répondez à une série de questions, ça dure 10 minutes, et avec des mises en situation qui vous permettent de vous mettre à la place d'eux ou qui vous rappellent ce que vous avez vécu dans l'entreprise. Et vous avez un profil qui vous est déterminé, qui est déterminé au cours de ce questionnaire. Et à la fin, vous avez des statistiques pour voir par rapport aux autres collègues où vous vous situez et même par rapport au grand public, puisqu'on a une version grand public accessible à tous et une version entreprise qui est un peu plus approfondie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.